sens relatif. Nous nous croisons ici depuis peu de chemin, aux habitudes ancestrales, hors du temps. En face du village, au bout de la rue de sable, se trouve la petite île de Mosirangiveni. C'est une île déserte, en marge, jusqu'à la construction de la montagne. Mais cette intrusion de l'eau et touristique n'a pas suivi, comme ailleurs, le plat de l'écosystème. Au contraire, les touristes viennent ici pour découvrir le nouveau fascinant de la tortue. L'hôtel a obtenu l'autorisation de s'installer sur cette île, à condition de protéger leurs voisins reptiles. Pour cela, un écogarde malgache a été embauché. Il y a à côté en haut de la plage un puits immense dans lequel les œufs sont déposés. Le grillage disposé autour du nid va empêcher que les crabes fantômes creusent des galeries dans le sable et mangent les œufs. Grâce à cette technique, il y a à sortir presque 100% de réussite pour chaque pointe. Chaque année, une centaine de routes de tortues vertes et de tortues impliquées sont étudiées et protégées sur l'île de Mosirange. Ce soir, une tortue verte est montée sur la plage pour déposer ses œufs. Ignace a réveillé les touristes en pleine nuit pour observer les moments.